avec l'ancien Toali. Papa, quelles sont tes impressions pour la journée d'aujourd'hui? Je bénis le Seigneur qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce que j'ai vu, c'est que Dieu est effectivement avec nous. Et le sentiment qui m'a animé, Dieu est réel. Il est avec nous, il est avec son serviteur. Et il veut faire des grandes choses, plus que ça. Donc je suis reconnaissant au Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Mon impression pour la croisade, ce que j'ai constaté, et ce qui me marque beaucoup, c'est que le jour qu'on a l'impression que les gens ne sont pas nombreux, le jour qu'on pense que... Les jours ouvrables. Voilà, les jours ouvrables. C'est là que nous, en tant qu'équipe de délivrance, nous sommes un peu submergés avec les cas. Voilà, avec les cas. On est un peu submergés jusqu'à ce que même souvent même on appelle le secours des anciens pour venir nous aider. Et il faut dire qu'à la délivrance, il y a beaucoup. Dieu travaille beaucoup. Dieu nous fortifie nous-mêmes. Mais ces personnes qui viennent pour être délivrées, franchement, Dieu accomplit ses merveilles aussi dans la vie de ces personnes-là. Il n'y a pas quelqu'un qui quitte, on l'amène et puis il part tel qu'il est venu. Tous ceux qui arrivent à notre renouveau, les situations sont décantées au nom de Jésus-Christ et puis ils vont avec la joie, avec le sourire, en bénissant l'Éternel. C'est un peu ce que j'aimerais dire à la chaise rappelle sur vos écrans. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Il faut dire que d'abord je m'appelle Colin Roger Charles. Mon faiseur de dire c'est le pasteur Kwame Leung, il adore dans la zone de Kumasi. Mais il faut dire qu'aujourd'hui je suis pleinement ému parce que j'avais des douleurs. Mon travail faisait que au niveau de tout mon organisme, j'avais des douleurs partout. Mais ce soir je sors renouvelé, je sors vraiment rajeuni. Que l'honneur, la gloire soit rendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. D'aujourd'hui, tellement béni, tellement content, parce qu'il y a eu la présence de Dieu, Dieu était là au rendez-vous. Donc, j'étais béni par les témoignages de la manière que Dieu a visité son peuple. Il y a eu des guérisons, il y a eu des visitations, il y a eu des visions. Je suis tellement béni, même pour le message était tellement bénissant. Parce qu'aujourd'hui, le message c'est que le pasteur a donné, c'est vraiment un message pour ramener tous les enfants de Dieu à lui. À quitter le monde et à revenir, à se consacrer totalement au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment marqué et c'est ça qui m'a vraiment béni. Et sois vraiment béni. Merci beaucoup. Enfin, je voudrais dire d'abord merci à Dieu et lui rendre toute la gloire parce que c'est le Seigneur qui délivre. Nous ne sommes que des instruments. Nous sommes le biais par lequel le Seigneur opère les délivrances miraculeuses, les prodiges. Donc, mon impression, c'est que le Seigneur agit et nous voyons sa main puissante et triomphante. Nous voulons demeurer humbles et simples pour dire que Dieu délivre à travers nous. Nous sommes que des instruments, comme vous auriez pu l'être aussi. Et c'est pour ça que dans un premier temps, et après tout, nous rendons grâce à Dieu. Au début et à la fin, nous lui rendons grâce. Nous voulons lui dire merci infiniment parce que Dieu agit ici à Tiekwa. Que Dieu te bénisse. Vraiment, je ne sais pas, mais Dieu utilise ton serviteur. Parce qu'avant de tous les sujets que Dieu lui révèle là, vraiment, je ne sais pas comment, quel qualificatif. Dieu le bénit. Et moi-même, je suis béni. Les sujets, les bras. En tout cas, j'ai été béni. Quel est le sujet particulier qui t'a béni aujourd'hui? Sur les envoûtements. Sur les envoûtements.
il y a un truc, ça m'a tellement surpris. Il y a quelque chose où il disait, c'est que voilà, le sorcier qui a dormi chez toi t'a envoûté sur toutes les personnes que moi j'ai hébergé, quelqu'un qui m'a envoûté. Vraiment, j'ai été délivré sur l'envoûtement. Il y a des gens qu'on héberge qui sont bizarres, mais qui nous compliquent la vie. Et moi, mon foyer avait été troublé par la sorcellerie, mais ce soir, j'ai été délivré. Gloire à Dieu, que ça te bénisse. Oui, la journée d'aujourd'hui a été une journée spéciale. Le Seigneur a bien conduit les choses. Et tout s'est passé dans la joie, dans la paix. Ça a été un engouement vraiment spécial. Le Seigneur était au contrôle, il nous a bénis. Et chacun a essayé d'exposer son problème devant le Seigneur parce qu'il est le Père. Et quand le pasteur disait qu'il est le Père, nous devons dire tout ce qui se passe en expliquant à nos pères pour que le Père nous exauce. Effectivement, s'il y a la haine, les rancunes, les menaces, et bien le découragement, vous voyez que nous ressaisissons pour être agréable devant le Seigneur. Et quand tout ce que nous allons demander, il fera pour nous. Et vraiment, ça a été une journée merveilleuse. Et tout s'est passé dans la paix, dans la joie. Et la délivrance, les gens ont été délivrés. Et il y avait des guérisons et il y avait des témoignages. Pour moi, vraiment, je sors de là étant vraiment encouragé et béni pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le frère Louis-Joseph, je viens de la France. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est les guérisons miraculeuses. Donc le Seigneur vraiment bon. Il agit partout où on est. Donc je suis très, c'est ma première fois d'être ici là et je suis très content d'être à Tchikwa. Merci beaucoup. Pour la journée d'aujourd'hui, il faut dire que toutes les prières que papa a élevées, j'ai senti des délivrances à tous les niveaux. Actuellement même là, vers la fin où il a prié pour que Dieu nous remplace les organes en défaillance, ce qui doit remplacer, qui remplace, ce qui doit changer, qui change. Frère, j'étais assise dans la chaise, j'étais plus normale et je me suis allongée comme ça. Et c'était comme si mes côtes, il remplaçait les côtes. Et puis au niveau du bas-ventre, tout me faisait mal. Je suis restée tendue, raide. Après même, il continuait la prière, je ne pouvais plus trop insister. En tout cas, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de touches. Et je rends grâce à Dieu. Je lui dis infiniment merci pour toutes ces délivrances. Que l'honneur, la gloire lui soit rendue au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.